Alors, après l'écoute du dialogue, je vous propose bien sûr des questions de compréhension. On va commencer par la première question, vraiment simple. Quels sont les personnages de ce dialogue? Oui, je vous écoute. Vous ne savez pas? C'est vraiment facile. Oui. Il y a trois personnages, mais qui sont-ils? Sarah, Kenza et leur maîtresse. Très bien. Kenza, Sarah et leur maîtresse. Alors, deuxième question, écoutez bien. Qu'explique Kenza et Sarah la maîtresse? Qu'explique Kenza et Sarah la maîtresse? Que disent-ils au début? Que s'est-il passé? Oui. Kenza et Sarah expliquent à la maîtresse. Oui. Comment s'appelle ce garçon qui est tombé? Oui. Qu'elle a eu un accident? Oui, c'est Amine. Alors Kenza et Sarah expliquent à la maîtresse qu'Amine est tombé. Pourquoi il est tombé? Qu'est-ce qu'il faisait? Oui. Vous ne savez pas? Il courait dans les escaliers, bien sûr. Il ne faut jamais courir dans les escaliers. Sinon, vous aurez des problèmes, par exemple un accident. Alors, il ne faut jamais courir dans les escaliers pour ne pas avoir des accidents. Alors, Kenza et Sarah expliquent à la maîtresse qu'Amine est tombé parce qu'il courait dans les escaliers. Alors, il ne faut jamais courir dans les escaliers. Il est interdit de courir dans les escaliers. Quel problème a Amine maintenant? Quel problème a Amine maintenant? Oui, c'est vrai que son pantalon est déchiré et son genou saigne. Son pantalon est déchiré et son genou saigne. Que va faire la maîtresse? Elle va soigner Amine, bien sûr. Elle va soigner Amine, bien sûr. Alors, Kenza et Sarah expliquent à la maîtresse qu'Amine est tombé parce qu'il courait dans les escaliers. Il ne faut jamais courir dans les escaliers. Son pantalon est déchiré, son genou saigne. La maîtresse va soigner Amine. Alors, comme résumé, on dit Kenza et Sarah expliquent à la maîtresse qu'Amine est tombé parce qu'il courait dans les escaliers. Il ne faut jamais courir dans les escaliers. Il est interdit de courir dans les escaliers, c'est normal. Son pantalon est déchiré et son genou saigne. Donc, elle est blessée. Elle va soigner Amine. Ça veut dire la maîtresse va soigner Amine qui est blessée.